Alors, bonjour Athos. Deuxième jour, avec l'aide de madame et de mon fils, nous allons continuer l'autre côté. Allez, à tout de suite. Voilà. Pour la deuxième partie de la construction des chambrants et des ébrasements, pour la partie de la porte de la buanderie, nous allons utiliser ce genre de bois. Je vais me reculer. De bois. Du récup. Donc, c'est le bois qui se trouve ici derrière moi. C'est du bois de palette. C'est bien lisse. C'est bien doux. Il y a une partie arrondie. Donc, pour le fixer, pour que mon fils le fixe, parce que j'ai toujours rien fait, donc à part juste le tenir et à part ça, rien d'autre, je mets une distance régulière ici. Donc, la distance régulière, c'est juste une équerre, donc comme ceci. Je laisse 2 cm en bas, 2 cm aussi, je fais le même système. Et au-dessus, je le divise en deux et je fais encore un trou ici. Pour les trous, j'utilise. Donc, je fais pas de publicité. Enfin, je fais un peu de pub, mais je ne suis pas sponsorisé ni de partenariat. C'est du matériel que j'ai acheté, enfin, que ma femme m'a acheté plutôt. Donc, c'est ce genre de mèche. Donc, c'est des mèches autoferrante de plusieurs diamètres, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis une mèche comme ceci et elle fait un avant-trou pour pouvoir fixer la vis beaucoup plus facilement. Sur ce, on se retrouve plus tard. Allez, à bientôt. Donc, comme je vous ai expliqué, je laisse une épaisseur en réalité de 3 cm. Donc, 3 cm du bord. Donc, du bord, 3 cm. Et je le mets à 2 cm. Idem de l'autre côté. Je le mets aussi à 3 cm, un petit trait, et je ferai mon trou à 2 cm aussi. La distance sera divisée en deux. J'ai 70, donc 35. 35 cm. Même chose. Je ferai mon avant-trou à 2 cm. Nous allons monter la tête frisée. Ça, c'est moi qui le fais parce que voilà, donc les avant-trous, c'est moi qui les fais, mais le reste, c'est madame ou le fils qui vont les fixer. Donc, avant-trou. Le deuxième avant-trou. Une fois que j'arrive à la butée, qui se trouve ici, évidemment, on s'est réglé la butée. Le troisième trou, et pour que ce soit plus propre, un petit coup de ponçage à la main.
Et voilà. Donc, comme on peut remarquer, les avant-trous sont nickel. Regardez-moi ça, Marie, c'est du bois de palette, c'est beau. Allez, à tout de suite. Ce que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que j'ai de temps en temps une différence d'épaisseur dans toute la latte que j'ai mise, comme ceci. Donc, ce qui veut dire que, comme on peut remarquer, ce n'est pas... Bah, je vais faire ça plutôt comme ça. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas exactement la même épaisseur partout. Donc, ce que je suis obligé de faire, c'est à la jointure, ouais, comme ça, à la jointure des deux planches, ben, je suis obligé de raboter à la main cette partie-ci pour qu'elle soit jointive avec l'autre. Pourquoi ? Ben, j'ai pas de rabot d'ego. Donc, on utilise un rabot manuel. C'est un Stanley. Ouais, c'est un Stanley, le numéro... Attendez, hein. Le numéro 4. Ça va bien. Je l'ai trouvé dans une brocante. Je n'ai pas payé cher pour l'avoir. Je suis resté étonné. Comme on peut remarquer, ben, il n'est même pas rouillé, rien du tout. La semelle est toute lisse. Enfin, soit. Allez, je reviens vers vous après, quand l'encadrement est fixé. Allez, à tout de suite. Alors, toujours pour la deuxième partie. Attendez. Hein. Voilà. Toujours pour la deuxième partie. Ben ici, je vais demander à mon fils pour qu'il coupe les planches avec le banc de scie qui est là. Je serai à côté de lui, je ferai très attention parce que c'est la première fois qu'il va l'utiliser. Je ne vais pas vous montrer pour pas qu'il soit distrait, même si c'est manipulé quand même certains outils, je dirais même beaucoup d'outils. Donc voilà. Retour, donc je vais devoir couper 5 cm et demi, faire un arrondi sur 3 planches. Voilà, je vais encore vous montrer une fois le genre de planche que je sélectionne. Mais allez, regardez comme c'est beau. C'est toujours du bois de palette, mais c'est magnifique. L'avantage c'est que ils ont déjà été rectifiés une fois. Donc, ils ont déjà été rectifiés une fois. On va essayer de couper le côté qui est plus ou moins croc, comme on dit chez nous. Pour le reste, je referai une petite vidéo pour vous montrer le résultat final. Mais évidemment, comme je vous ai dit, tout n'est pas tout à fait droit. Donc, je vais devoir rectifier au rabot ou à la lime. Mais bon, là-dessus, allez, dès que c'est fini, je reviens vers vous. Allez, à tout de suite.